ce que j'ai initié se met en branle. Une tempête de souffrance et de chagrin comme Spider-Man n'en a jamais connu. J'ai lancé le gant pour l'honneur de ma famille. Acte 1. Le pouvoir au peuple. Tout commence avec Electro. Celui-ci est désespéré. Non seulement il est ruiné à cause de la crise économique, mais ses pouvoirs sont devenus incontrôlables. Furieux de sa condition, il se lance dans une vendetta contre les plus riches. À la tête d'une foule de New-Yorkais partageant son opinion, Electro s'en prend au milliardaire Dexter Bennett, propriétaire du Daily Bugle. Spider-Man tente de s'interposer, mais Electro est si furieux et si instable qu'il finit par provoquer l'écroulement de l'immeuble. Peter Parker, qui a longtemps été photographe freelance pour le journal, perd ainsi un pan entier de sa vie. Acte 2. La colère du Rhino. Alexei Sistevitch s'est rangé. Il a trouvé l'amour auprès d'Oksana, et il n'est plus question pour lui de renfiler son costume de rhinocéros. Mais un nouveau rhino, désireux de faire ses preuves dans le milieu, le met au défi de le vaincre. Soucieux de protéger Oksana, Alexei est tenté de régler le problème par lui-même, mais Spider-Man l'en empêche, lui promettant de s'occuper du nouveau rhino. Alexei décide de faire confiance au tisseur et de ne pas intervenir. Se plaçant sous la protection de la police, Alexei et Oksana sont escortés hors de la ville. Mais le nouveau rhino les retrouve et provoque un gigantesque accident de la route. Oksana est mortellement blessée et décède dans les bras d'Alexei. Fou de chagrin et de colère, ce dernier endosse son armure de rhino et part tuer le meurtrier de sa fiancée. Spider-Man tente de l'en empêcher de toutes ses forces, mais la fureur du rhino est telle que rien ne peut l'arrêter. Pas même son adversaire qui se fait littéralement pulvériser par la charge vengeresse du rhino original. Alexei reprend ainsi sa carrière criminelle, rejetant la responsabilité de ce carnage sur Spider-Man, qui avait réussi à le persuader qu'il pouvait vivre une vie normale. Acte 3. La vengeance du vautour. Le nouveau vautour s'est évadé, et il est bien décidé à se venger de l'homme responsable de son abominable transformation. En enquêtant au sein de la mafia, il apprend que celui qui aurait commandité sa mutation ne serait autre que J. Jonah Jameson, l'actuel maire de New York. La nouvelle se répand dans New York et Jameson se retrouve alors dans une position inconfortable. C'est alors que le vautour l'attaque et tue un de ses gardes du corps malgré l'intervention de Spider-Man. Touché par cette mort, Jameson envisage de démissionner. Désireux d'aider l'homme qu'il estime malgré sa haine envers Spider-Man, Peter crée un montage photo où Jameson semble se conduire de manière héroïque, afin de redorer son blason. Mais loin d'être reconnaissant, Jameson dénonce la supercherie durant une conférence de presse, ridiculisant Peter tout en lui faisant perdre son travail dans la presse. Acte 4. Métamorphose. Depuis quelques semaines, Kurt Connors se sent changé. Il le sait, le lézard qui est en lui veut sortir. Jusqu'à présent, il parvenait à le tenir à distance grâce à un sérum de son invention, mais la mort de sa femme, la perte de la garde de son fils Billy, qui ne lui adresse plus la parole, ainsi que le harcèlement moral de son patron, King, ont petit à petit nourri le monstre. Un jour, Connor s'apprend que son assistante, avec laquelle il envisageait de sortir, a couché avec son patron. Alors qu'il vient demander des comptes à ce dernier, King l'agresse physiquement. C'en est trop pour Connor, qui laisse le lézard sortir et tuer King avant de s'enfuir. Spider-Man se lance alors à sa poursuite. Il sait que le lézard est obsédé par Billy Connors, qu'il estime être sa seule faiblesse. Spider-Man s'interpose entre le lézard et la maison dans laquelle Billy séjourne, mais, durant le combat, quelqu'un enlève Billy et le laisse seul et sans défense dans une ruelle. Sentant sa présence, le lézard se précipite sur Billy et, sans la moindre hésitation, le tue. Spider-Man est effondré par la mort de Billy, d'autant que, par ce geste, le lézard est parvenu à fusionner son esprit avec celui de Connors, ce qui l'a rendu plus intelligent et plus dangereux que jamais.
Mais ce que le lézard n'avait pas prévu, c'est qu'il finirait par ressentir des sentiments humains. Bientôt, la honte et le remords d'avoir assassiné Billy le hantent. Et, pour expier sa faute, il renonce à ses plans de conquête du monde et finit par se terrer dans les égouts. Acte 5. Chasse à mort. Dans l'ombre, Sacha Kreminov, la femme de Kramen le chasseur, tire les ficelles. C'est elle, aidée de ses enfants et du demi-frère de Kraven, le caméléon, qui est à l'origine de tous les déboires du tisseur. C'est elle qui a poussé Electro à attaquer le Dilibiogol, elle qui a conçu le nouveau Rhino et poussé ce dernier à s'en prendre à son prédécesseur, elle encore qui a permis l'évasion du Vautour et fait courir le bruit que Jameson était à l'origine de sa création, elle enfin qui, par des sortilèges africains, a renforcé la puissance du lézard et qui a enlevé son fils pour le lui livrer en pâture. Avec l'aide contrainte de Madame Webb qu'elle séquestre, Sacha Kreminov est parvenu à prévoir l'impact que ses actions occasionneraient sur Spider-Man, son but étant d'affaiblir ce dernier tant physiquement que psychologiquement. Sacha compte en effet le capturer et le sacrifier lors d'une cérémonie vaudou afin de ramener à la vie Kraven le chasseur. Elle a d'ailleurs déjà fait une tentative en tuant Mattie Franklin, la dernière Spider-Woman, mais sans succès. Seul le sang du véritable héritier du totem de l'araignée pourra engendrer ce miracle. Afin d'amener Spider-Man dans ses filets, Sacha et ses enfants enlèvent des proches du tisseur ayant des pouvoirs d'araignée. Ils s'en prennent même à son clone déficient, Kane, qui vient trouver Peter pour l'avertir du danger. Peter se rend alors au domaine des Kravinov pour en finir. Mais il tombe dans une embuscade fomentée par le caméléon. Attaqué de toutes parts, Spider-Man, épuisé par les événements des derniers jours, ne parvient pas à se défendre. Abattu, griffé, poignardé, empalé, il finit sacrifié sur un autel par Sacha Kreminov. Au même instant, Kraven le chasseur revient à la vie. Tout pourrait aller pour le mieux, mais au grand dam de Sacha et de ses enfants, Kraven, loin de leur être reconnaissant, témoigne même un grand dédain à leur encontre. Lui qui avait tiré sa révérence la tête haute se sent vide, incomplet. De plus, il comprend bien vite qu'il ne peut pas mourir. Impossible pour lui de retrouver l'apaisement de la mort. Pire encore, il se rend compte que ce n'est pas Spider-Man qui a été sacrifié, mais Kane. Ce dernier, profitant de la confusion du combat, s'est substitué à Peter pour lui sauver la vie. La cérémonie a donc été corrompue, ce qui explique le vide ressenti par Kraven. Il ne lui reste plus qu'à trouver le vrai Spider-Man et le tuer. Pour de bon, ou se faire tuer par lui, car lui seul en a le pouvoir. Au même moment, Peter émerge de son inconscience. Découvrant le cadavre de Kane dans son costume, il comprend ce que son frère a enduré pour le sauver. Entrant dans une violente colère, il enfile son costume noir et part traquer les Kravinov. Les chasseurs deviennent alors les proies. Un à un, le caméléon et les enfants de Kraven finissent par être capturés par Spider-Man. Terrifié par ce qu'elle a déclenché et rejetant la faute sur Madame Wem qui ne l'a pas avertie de cette éventualité, Sacha Kreminov poignarde à mort cette dernière sous les yeux de Spider-Man. Ce dernier, laissant libre cours à sa fureur, défigure Sacha avec son pouvoir adhérent à la manière de Kane. Arrive alors Kraven et les deux vieux adversaires se livrent à un nouveau combat acharné. Mais Peter comprend bien vite que Kraven le pousse à le tuer lui, afin qu'il puisse retrouver sa paix intérieure. Le tisseur s'y refuse. Et laisse Kraven vivre, estimant qu'il s'agit d'une juste punition pour lui et sa famille. Et l'avenir lui donne raison. À peine arrivés en terre sauvage où ils ont trouvé refuge, le clan Kravinov se déchire. Estimant Sacha responsable de la déchéance de sa famille, Kraven brise le cou de cette dernière. Puis il pousse ses enfants à s'entretuer. Le dernier survivant aura l'honneur de l'aider à refonder sa famille et à repartir en chasse.